Hi there. Welcome to one of the first public, recorded, somewhat public dialogues in my residency, which is called A New Region of the World. In my first address and my introduction to my residency, I made it very clear in really sort of taking the ideas of my mentor, Edouard Glissant, that we are not just in a new region of the world, we are in the new region of the world. And by that I mean that we are really at that point where the old certitudes, whether they are of the Occident or wherever else, that they've really sort of come to a bottom which definitely gives us this chance to really understand those other narratives that have been suppressed, that have not been looked at, that have been overlooked. Today, I have the pleasure of speaking with Chantal Pontbriand, a groundbreaking publisher, editor, writer, art historian, curator, who in 1975 already understood this notion of the new region of the world. And I would like to read a couple passages that I think are critical and that show this. This is from her book called The Contemporary, The Common Art in a Globalizing World. And it's important to understand that my mission this year is to dialogue with various interlocutors to really understand this new region of the world we're at. I mean, even looking at right now what's going on in the world with the war and everything, we're seeing a switch, a changing of the guard. But there's always been a lacunae. There's always never been a complete consideration of the moments. And Ms. Pontbriand, in 1975, starting her magazine called Parachute, created a platform to understand these new regions. As she says in this new book, thus, the critical attitude perceived within art allows us to glimpse a new world that is more apt at generating a new life, a new being with. Is there a new ethics already at work? What do the artistic practices have to say about it? More simply, perhaps, what do contemporary artistic practices tell us about the relationship between the individual and the world? This is critical because art, of course, has become so commoditized and so appropriated. But how do we continue those basics that really help us to understand how we live in the common, how we live together? And this has been the life task of Ms. Pontbriand, understanding this being with. She also says in this book, contemporary art reveals this common space as real, as it is transitory, and offers it to be shared. In this sense, and she's quoting another author, as the author tells us, contemporary art allows us to be companions in our times. Chantal, I'm really happy to have you today here to speak to me about this and to entertain these ideas that I've been throwing at you as a mentor, a friend, a dear friend, somebody who's been so critical in my thinking, in my life, in growing up. And I'm really happy that you're here to sort of help me go through these ideas. So Chantal Pontbriand, do you want to introduce yourself or speak to about kind of what we've been talking about? No, all I can say is thank you, James, for having this conversation today with me. And I always love our conversations because they're always enlightening for me. You pick up on certain ideas or I pick up on your ideas and then it brings me further. Mm-hmm. And that's what a conversation should always be. Mm. So. And you know, this kind of dialogic conversation, this is something Chantal sometimes we're speaking for 3 to 4 hours. And one of the things that really brought me to really want to have Chantal as at the beginning of this residency is really to talk about one of the sort of like counter narratives that I'm proposing in terms of how we look at contemporary art and cultural production. And it's this notion of new architectures, of new rapports with the object. This was so clearly indicated in the first Parachute. You know, in the first Parachute editorial number one, you speak about there's a form of anchoring, and you're initiating and experiencing. You're involved with it, but you're also writing about it. You were interested in tendance spécifique d'une époque, and you know, I want you to elaborate a little bit what that time was like, and sort of like maybe think about. If there's a sort of comparison now, because Parachute seemed to really be covering
the new architectures that were coming out in terms of people like Philip Glass, new forms of thinking. Can you speak, I mean, general, it's a general question, but I really want to know, just get a feel for what that moment was and how it's carried throughout your life in some ways. It was a very challenging moment in which we had to reinvent things and reinvent ourselves. And there was this, really an urgency in the air, which prompted us to think of a magazine like Parachute. Mm. And I'll say right away that I've never done anything alone. Right, okay. My life is a conversation with many people over sometimes many decades. Yeah. And that is, I cherish that enormously. There were, at the time when I arrived on the contemporary art scene, there were all these new art forms that were appearing, installation, video, conceptual art, performance. I mean, there were enormous variations and as many names that were given to these new forms. But the idea of Parachute fundamentally was to deal with these emerging ideas and concepts taking form in a non-prescriptive way. Mm. And this is very important in my work, not to be judgmental to start off with, but not even at the end come up with any form of judgment, rather come up maybe with a new opening. Mm. Because this is what these new works were offering us, a new perspective on space, on time, on the issues we were living through. I know for you it's important to make a relation between Parachute and the after 68 period. Yes, of course, actually, that was not really done on purpose, let's say, but it was in the zeitgeist of the times. Right. And it was all over the world, almost, this movement of, anyway, the Western world, for sure. Mm-hmm. And there's something that happens when something political, a political passion sort of coalesces in time, a certain time and a certain space. Mm. And it energizes you very much. Mm. To come back to Parachute, we wanted to create a new language, a new critical language for these new forms of art that were appearing and that were very telling about the times that we were going through. And one of my personal urges to create a new magazine was, I had written for other magazines, the only ones that existed in Canada at that time. Okay. We also wrote for international ones like Flash Art. Yes, but I wrote first for Vie des Arts and Arts Canada. Uh-huh. And I found that these magazines were not a home for these new ideas. Interesting, okay. And they were pretty prescriptive in the way you could write or not write. Mm. And this is, for me, a problem. And I hear that today that seems to be coming back. We have conversations about this. Well, on my part, I can talk about editors today, that there's a sort of, there's a preset, you know, 1,500 words. Mm-hmm. But, you know, we won't maybe get into that, but... Yeah. Yes, but one of the, you know, I've always done things sort of using my judgment, of course, but also unconsciously. I never really followed any rules, you know, except the rules that were demanded by the situation. Mm. That's a very pragmatic, you know, I'm referring to... pragmatism as Dewey. It exists in philosophy, contemporary philosophy, but I only discovered
later on. Of course. This was sort of the path that I was traveling. Of course. But it's so the idea was to work from experience and work with experience. And therefore, the idea of presentness came to the forefront. So what happens in the present? What is live? Today we talk about very much about this idea of the live. Live and, art, live, yeah. The idea was to make a magazine that could be some kind of imprint of the live, that was the live situation, the present that was happening at the same time. So we would go from one discovery to the other, and we would make lengthy interviews, but also whenever we published an essay, the important thing was to respect the author's voice. And that we kept with us during the whole 30 years that we published Parachute, because I remember in one of the post-2000 issues, we published a text by choreographer Houman Sharifi, which, of course, he's an Iraqian who was brought up... Around what year was that? 70s, 80s? The Frontiers issue, number 120. Okay. So that would have been... 2005 okay. or 6. So he wrote an essay, sorry? Yes, this choreographer who was a child came over to Norway and therefore learned to speak Norwegian. Norwegian, the language of that country, but could also speak English. So he wrote this text. It was awkward. It was, you know, but we didn't, we did not edit it. We left it in his language, in his way of speaking. Well, that's a most extreme case, of course. But it made sense in the context of a frontiers, an issue dealing with the idea of borders and frontiers. So, so respecting the author's voice, I feel, is as important as trying to understand any artist's own voice. It's really a way of working and a way of being, which does comprise the idea of the common or of commonness. And maybe I'm jumping ahead. No, you're not. I mean this. The thing that I like, I mean, of course, you know my theories about how things are and the body in the 20th century. For me, May 68 in Paris and all the May 68s all over the world, whether it was Mexico, Dakar, where else was a major one, wherever there was 1968s going on, these protests, the body, I feel like the body was trying to reclaim something of itself. Obviously, after the war, the body is very crumpled on itself. And then you come to 68 and, you know, just the physical motion of I've spoken to you about this, just the motion of people throwing the rocks in Paris, right? There seems to be, it edges on being mythological, but we see that the body's trying to retake itself. So when I'm thinking about you know, the beginning of Parachute, I'm also thinking about the beginning of performance art. And performance art seems to be this inscription seems to be doing, and I'm using one of your terms, I have a few of them here, inscription du corps, an inscribing on the body. Mm-hmm. And everything you seem to be saying is that this immediacy, this innovation, this new language, this respecting the author, they all seem like this necessity to inscribe on the body. Mm-hmm. And you turn to certain choreographers. Mm-hmm. That seem to be essentially speaking about that. And that's what I want to maybe bring up next, because I think it's concrete. I want to talk about Yvonne Rainer. Okay. I would say inscribe one body on the other. Inscribe one body on the other. Interesting. Rather than inscribe the body. Interesting. Okay. You know? And I've written texts with titles like Body to Body. I think Rabbi Mourouet
The text I wrote on Rabbi Moore. In the Red Book, in the Contemporary Commons Book. Body to body or something like that. And it's an expression I've used frequently. And maybe that's what is interesting for you in the 68. But then there were the Occupy movements around the end of the 2000s. And here in Quebec, on a eu le printemps érable. C'est curieux qu'on ait donné ce nom à cette manifestation. Moi, je n'étais pas ici à ce moment-là, j'étais en Europe, mais j'étais complètement éblouie et transportée qu'une telle chose arrive à Montréal, que les jeunes envahissent les rues et qu'on bouge enfin, parce que fin des années 90, tournant des années 2000, j'étais mal à l'aise avec ce qu'on était devenu, qui m'apparaissait être une société axée sur le confort, plus qu'une société axée sur le changement. Et je ne parle pas du changement technologique ou du changement économique, évidemment. Je parle changement dans notre attitude collective et individuelle, dans notre esprit, finalement. Et j'ose espérer que ce mouvement très court qu'on a connu, je pense qu'on fête le 10e anniversaire cette année, puisse réapparaître en force, parce qu'on a besoin d'un nouveau monde. En ce sens, je suis tout à fait d'accord avec le fait que tu appelles ton projet ici une nouvelle région du monde. On a toujours besoin de nouvelles régions. On a toujours besoin de se réinventer au fur et à mesure que la réalité autour de nous se transforme. Parce qu'elle se transforme inévitablement. Et là, il y a vraiment, en ce moment, des très grands changements. On le sait, l'épidémie à travers laquelle on passe, on est en plein dedans encore depuis presque 3 ans maintenant, c'est pas innocent. Ça fait partie de la mondialisation, qui est ce phénomène qui a pris de plus en plus d'importance dans les années 90. Et qui a signalé, pour moi, l'an 2000 signale vraiment une césure, une coupure dans l'histoire et presque un changement de civilisation. Il y a une nouvelle civilisation qui s'annonce. Elle a été intuitionnée après les deux grandes guerres mondiales par quelque chose comme mai 68, qui a mis de l'avant la nécessité non seulement d'un renouveau économique après les guerres, mais d'un changement d'attitude et d'un changement collectif de valeurs aussi, pour donner plus de liberté à tous. Et qu'est-ce que c'est que la liberté? Qu'est-ce que c'est que la libération? Sinon, l'apprentissage ou l'approche d'une vie meilleure, une vie bonne, comme certains philosophes l'expriment. Alors, Agamben, je pense, Arendt et tout. Alors, il faut retrouver ici cette énergie qui n'est pas encore tout à fait au rendez-vous ici au Québec, mais possiblement que la pandémie va nous faire repenser nos vies collectivement et individuellement. Ça a été le cas, on le sait. Hein? Il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus faire le travail qu'ils faisaient avant. Il y a beaucoup de gens qui ont décidé même d'aller vivre ailleurs, en dehors de... So, I mean, this whole thing, when you know, this whole notion of, like, where we are right now and sort of, like, how do we wield towards it, somebody like Yvonne Rainer and her No Manifesto
is really sort of an interesting sort of turn in the arts, because the two things that are interesting with what she does, which you outline very clearly, is the notion of non-representation and of task. So let's speak about that, because when we're talking about the arts and how the arts can sort of like intervene in the present, I think, you know, Rainer remains very relevant, and your writing on Rainer remains extremely relevant to tell it, to show us, to go beyond this identity politics, to go beyond representation. Can we speak a bit about Rainer? Absolutely. Yeah. I became interested in Ivan Rainer in the 70s, and I worked with and on Ivan Rainer until very recently, because I did this very large Ivan Rainer project when I was living in Paris in the last, in 2015, 14, okay. I think. Okay. And she's always there in my mind. For me, she's one of the philosophers. She's more than a choreographer or a filmmaker. She's really, we know she's an excellent writer. Mm-hmm. And so she's a philosopher for me. Mm-hmm. And she incarnated, I think, this presentness we were... with her work. With her work. This idea of presentness that we were talking about. Mm-hmm. And, for example, Continuous Project Altered Daily, which is one of her important projects before she became a filmmaker, is really a learning project. Mm. When you're doing it, when you're participating in it, or when you... So the audience is involved with it? Yes, not as we do nowadays, because we know that non-dancers nowadays, it's come to the point where non-dancers now are included in dance performances. But you could follow the rules a bit like you follow a baseball match or a tennis match. Okay. But the rules were reinvented all the time. Mm-hmm, mm-hmm. And so the unexpected came into play. Mm-hmm. And learning to live with the unexpected is a major issue, I feel. And these are things that Rainer had brought in terms Absolutely. Of, in terms of the work that she was doing. Yes. She, I mean, you outline really clearly that, in her one of her manifestos, she talks about, eliminating or minimizing the role of the artist, eliminating or minimizing hierarchical situations, texture, the reference to a figure, illusionism, and she wants a monumentality. She speaks about bringing in other things, bringing in things like what you're talking about, like serendipity and things like this. Yes, but she revised her new manifesto at a certain point. Okay. Because as a filmmaker, I think she came to use concepts such as virtuosity, for example, or theatricality even, in a different way than the cliché, let's say. Okay. So that's another lesson we can take from Rainer, is that you can come back and review your own ideas or your own judgments on ways of doing things or thinking about things. And that I feel is very important for all of us to understand that things can happen, even things that can be very qui peuvent nous faire beaucoup de peine. Oui. Mais il faut se donner la latitude, je ne dirais pas de pardonner, mais de laisser les choses évoluer et se transformer en autre chose, et quelquefois en autre chose de plus merveilleux et de...
Et bon, je reviens à la situation de l'Ukraine parce que c'est tellement dans nos têtes en ce moment. On découvre l'Ukraine à travers ce conflit. On découvre plus que l'Ukraine, on découvre de nouvelles façons de vivre. Mais c'est ça, oui. Et de nouvelles façons de communiquer aussi. Et bon, on découvre un président qui est virtuose en la chose et qui probablement lui-même n'avait pas prévu qu'il devrait un jour faire ce qu'il est en train de faire tous les jours maintenant. Donc il invente constamment. Et je pense que pour d'autres leaders de d'autres pays, c'est une grande leçon qu'on est en train d'apprendre. Mais ça là, comme comme tu dis sur ton essai, semble que c'est des interventions. Tu dis que la performance peut par ailleurs être assimilée à une intervention. Pour peu qu'elle intervienne dans la réalité physique ou sociale. When you're speaking even about Ukraine now, but I'm, you know, I really want to stay with. Je vais tout de suite répéter une chose que je répète souvent, c'est que l'avènement de la performance dans les années 60-70 a été un phénomène auquel j'ai été tout de suite très attirée, mais j'ai très vite compris que c'était pas un nouveau genre comme la sculpture ou la peinture, qu'il s'agissait là plutôt d'une nouvelle attitude et une nouvelle façon de voir l'art, mais surtout de voir le monde. Donc j'ai même organisé en 1980 un événement à Montréal qui a duré 2 mois de temps et qui s'est appelé Performance. Et l'idée c'était d'investiguer ce que cette idée, cette notion de performance pouvait comprendre. Et donc, on a fait 2 mois de live, de performance live, mais 2 mois d'installation aussi live. Et on a fait un colloque de 3 jours avec 25 personnes venant. À ce moment-là, le monde de l'art, ce qu'on pouvait en saisir, c'était ce qui se passait en Europe et ce qui se passait en Amérique du Nord. Surtout, les communications étaient loin d'être développées comme elles le sont devenues plus tard. Alors, mais c'était la première fois qu'un colloque réunissait des artistes importants, des penseurs importants des deux continents. C'est difficile à imaginer aujourd'hui parce que c'est chose commune. Mais on a vraiment... Il y avait quoi de nouveau avec Jean-François Lyotard, qui est très important pour le Québec parce qu'à la demande du Conseil des universités, à peu près au même moment, il a publié La condition postmoderne. La performance nous a aidé à comprendre qu'on entrait dans une nouvelle ère, cette ère postmoderne. C'est un mot qui a été galvaudé, là, qu'on a utilisé par exemple en architecture pour signaler les nouvelles formes d'architecture axées plus sur l'ornement ou la figuration, des choses que le modernisme avait évacuées. Mais en fait, moi je considère qu'on est vraiment, depuis 68 en fait, en train de développer une ère post-moderne. On est toujours en développement. Oui. Bon, Bruno Latour a beau dire qu'on est tous modernes. C'est peut-être aussi une façon de dire que il faut tous se libérer d'un esprit canonique, d'un esprit prescriptif, et qu'il faut en fait nourrir des nouveaux dispositifs d'être, de nouvelles attitudes comme une plus grande flexibilité, une plus grande convivialité, pas juste quand on fait des fêtes chez soi, mais dans la vie de tous les jours, un sens du partage, l'importance de reconnaître les traces, et
Pour moi, faire de l'art, c'est faire des traces ou reconnaître des traces, en fait. Mm-hmm. C'est comme ça que je définirais l'art plus que jamais aujourd'hui. Mm-hmm. Parce qu'on n'a vraiment plus les frontières disciplinaires avec lesquelles on était en train de moyenner encore dans les années 70. Là. Mm. Maintenant, c'est très clair qu'un artiste peut... comme Marie Chouinard, faire des chorégraphies, faire du film, faire de la photo, écrire des poèmes. Bon, presque tous les artistes intéressants en ce moment travaillent de cette façon. Mm-hmm. Donc, il faut vraiment penser les choses en termes de, d'une philosophie de l'art fort différente de celle qui existait jusque dans les années 60, finalement. Mm. Et en fait, c'est ce qu'on a essayé de comprendre avec Parachute. Et c'est aussi dans d'autres projets que j'ai pu faire, comme le Festival de Nouvelle Danse, ici à Montréal, le FINE, et plein d'autres projets, peut-être de moins grande envergure, mais quand même, tous mes projets ont toujours travaillé à essayer de comprendre ce qui était en train de bouger. et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment ça nous transforme? Où ça nous amène? Vous étiez ancré dans votre temps, ça c'est sûr. Et moi je trouve que il y a certains encore concepts qui à travers tous tes écrits qui sont très importants. You have concepts that have gone throughout all your writings that are so important, and like in terms of performance and this newness, and one of them is the notion of le pulsionnel, this idea of intensité. And it's interesting because we've had this dialogue before. So back then you were talking about that, and you're talking about it right now, this notion of intensité. Maybe we can just speak about a couple of these ideas. The notion of intensité, the notion of gesture, and how those bring us to notions of community and the common. Because it seems like that's your work. It seems like your work has always been about looking at the most incremental movement, the basic gesture, and seeing it in whether it's Michael Snow doing the photographs of the Group of Seven, and just like with a camera, but always this notion of this immediacy. So can you talk about these notions of est-ce que tu peux parler de ces idées de l'intensité qui est vraiment très pertinent maintenant dans ce moment, et aussi l'idée de geste qui est aussi très 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 pertinent dans le monde de l'art et dans notre monde contemporain en général? Alors la notion de geste, c'est le non-verbal en fait. Et dans un monde rationnel qui gouverne encore le monde de l'éducation, disons, on a davantage on porte attention encore davantage aux mots, aux textes, pour ainsi dire. Bon, il y a l'école de Palo Alto aux États-Unis qui, elle, la première, s'est intéressée à la question du comportement. Mais au-delà du comportement, il y a le geste. Et on comprend aujourd'hui que le geste est un langage en soi, finalement. Et aussi, c'est un langage universel, parce que un sourire... bon, c'est peut-être un peu galvaudé aujourd'hui avec les smiles sur Facebook et tout, mais quand même, un sourire, ça n'appartient pas à une identité ni à une langue. Si je fais ça, ça veut dire on arrête. Là. Tout le monde comprend. Alors, pour moi, c'est pour ça que mon deuxième recueil d'essais s'est appelé « Communauté et gestes », parce que ça va ensemble. C'est le geste qui nous ouvre la porte de l'en commun, pour ainsi dire, davantage que la langue. Et on sait que la langue, c'est toujours les langues, hein, comme l'a bien démontré Jacques Lacan, entre autres. Alors, c'est peut-être pour ça que
je me suis tant intéressée à la danse, finalement, et surtout à la nouvelle danse. J'ai, pour ainsi dire, pas été portée par la danse classique, même si, je pense, à l'âge de 8 ans, ma mère, avec mes sœurs, nous avait inscrites à des cours avec donné par Lumia Chérief elle-même. Disons que très rapidement, je pense que c'est ce que je voyais en performance qui m'a amené à m'intéresser à ce point à la nouvelle danse. J'ai quand même passé plus qu'une vingtaine d'années à non seulement à voir de la danse de façon intense, mais aussi à la mettre en scène, la ce que j'appelle la partager. Pourquoi faire un festival? Pourquoi faire une exposition si ce n'est pas pour partager? On peut être très satisfait de juste être spectateur. Mais moi, j'avais cette disposition où il fallait que je partage ce que j'apprenais. Très vite commencé à voyager vers 18 ans et à aller voir des choses qui m'intéressaient et à les ramener chez nous pour les partager avec d'autres et faire en sorte que ça devienne un peu un phénomène, ni plus ni moins, qui a des ondes. Alors, cette question d'intensité, elle se rapproche à cette question de qu'est-ce qui fait des ondes, qu'est-ce qui résonne. Et peux-tu expliquer comment est-ce que tu étais, how did you get to this idea of intensities? Was it looking at dancers, looking at art at that time? Because it's one of your ideas that's like this, les intensités. Just before you talk. Je pense que toute situation live, parce que moi j'étais très mobilisée par. Toute situation live, en fin de compte, elle fonctionne quand on sent qu'il y a une intensité dans l'air. Et c'est presque une question éthique pour moi, parce qu'on peut penser, par exemple, la guerre, c'est plein d'intensité, ou le crime, c'est plein d'intensité, mais je pense que c'est pour ça qu'il faut toujours accompagner son questionnement d'un questionnement éthique. Comment ça marche? Faire de l'éthique, là, c'est pas juste poser un jugement. C'est essayer de voir comment ça, les choses fonctionnent. Qu'est-ce qui se crée? Qu'est-ce qui est en train d'advenir? C'est ça pour moi, l'éthique. Et si ce qui est en train d'advenir nous oriente justement vers la vie bonne ou une vie meilleure, c'est-à-dire une plus grande intelligence du monde, ben, là, ça marche. Là, c'est bon. On se sent sur le bon chemin. Et je voudrais en profiter pour parler de d'un philosophe, j'en suis à lire son quatrième livre, Baptiste Morisot, qui est... Et là, il y a vraiment un traitement des intensités qui sont à la base de l'animal. Oui, c'est ça. Alors, c'est un philosophe éthologue qui, littéralement, va en forêt sur la piste des loups. Il nous raconte ça dans ses livres. Et... Quand je lis ce qu'il écrit, où il mélange un peu la description de ses expériences en forêt et des notions philosophiques, je retrouve ma façon de travailler avec beaucoup d'enthousiasme, je dois dire, parce que je sens que je... Il est explorateur, juste comme tu étais toute ta carrière. Exactement. Pas carrière, mais t'as fait toute ta vie d'exploration. Lui, il va sur la piste des loups, mais moi, je suis sur la piste des artistes ou de tout individu qui peut transformer ma vie et celle des autres. Et ça, pas besoin d'être un président ou un prix Nobel pour que ça arrive. On sait qu'il y a des gens très low-key, j'ai pas de mot en français, mais
qui sont d'une sagesse exceptionnelle et de qui on peut apprendre beaucoup. Mm-hmm. Alors, ça, c'est extrêmement précieux. Donc, je ne sais pas si j'arrive à faire comprendre cette question des intensités. Mais c'était juste pour comprendre parce que I think, you know, your work, I mean, you started up until present, whether it's looking at other artists like Benoit Lacham, Dora Garcia, this incremental look at the basic gesture of the body, the intensities in the body, it all seems to be going towards this, you know, how do we build a common? How do we build the commons? And maybe I'm just going to veer off because I think in a larger thing, this comes to this notion of the cosmological, because ultimately, yes, we're talking about gesture, we're talking about intensities, we're talking about human body, we're talking about community, but even larger than that is this notion of the cosmological. And I'm just going to read this verbatim, this question: through a career or through a life of exploration that begins with looking at artists that pay attention to immediacy in their art making, focusing on the process of object performance making, and not in the final product, but rather looking at the processes, slow times that are behind the body, behind the work, looking at the gateways, the constellation making. I think ultimately, when you're talking about all of these things, it seems like you're the general exploration that you've done throughout your exploration has been about looking at something, the cosmos in a way, and how these bodies, yes, form a commons, but then there's this relationship, you're talking about animal life right now, to this cosmological larger thing. I don't know if this makes any sense as a question, but I think I might ask, what artists might you consider from the early days until now that engage with this kind of cosmopolitical web? Yes. Because what's interesting is you didn't stick with the cosmopolitan and identity, you were interested in something cosmopolitical. Absolutely, that's what I was going to say. I think, happily, we're trying to have a better look at the cosmos, on the place we live, in the place we are part of, but actually what we need and we have to look at are the workings of a potential cosmopolitics. Mm. What links things together? Not just people. People and things. Mm-hmm. This process has to be natured, and it has to do with attention. I love this piece of Boris Charmatz, which is called Attention, where it's really a step further ahead what choreographers are doing now. Benoit Lacham also is an example. It goes beyond the type of presentness that was explored by the generation of Yvonne Rainer, Trisha Brown, Steve Paxton, and Simone Forti. How does it go beyond that? It can't do anything else but go beyond because we live in different times. Okay, yeah. So it incorporates, I think, ways of letting go of certain... Letting go, yeah. Yes, of certain emotions, of certain gestures that you could not do in the 70s. Mm. It's a different way of approaching the body and the mind, because the body and the mind are like this. Mm-hmm. Maybe there's some languages where they're not even separated. Yeah, of course. You know? Yeah. But you were sort of bringing... I'm trying to think of the work, let's say Dora Garcia, another artist that I've worked a great deal with and on. And she certainly is an artist who is in a cosmopolitical venture also, trying to understand how we relate not only to others, but to words, to history,
And she does a mise en scène in each of her works that enables an interrogation, of whatever she's phenomenon she's dealing with or we're dealing with. And like in this room, when the Dora Garcia made an exhibition here at La Fonderie Darling, there was a performance reading of Finnegan's Wake. She sort of, she was the leader of the conversation and the discussion. And so I think we didn't even get in 2 hours to the end of one page because you could pitch in and discuss almost every word that came up in every sentence, you know, and hear different voices. And this hearing of different voices around one thing, one subject, is something extremely important to cultivate if you want to develop a cosmopolitics. And we can see maybe possibly a future Earth where there won't be any more these identity politics or that create borders, that create frontiers, which belong to another time. But, bon, that might be in 1,000 years. Who knows? Because at the same time, the history of the world as it is extremely rich. And we have to be able to go on recognizing what all these languages and all these different cultures and all these different civilizations and all these different continents have brought us so far as looking at the world through different lens has given us. Maybe I'm saying something extremely... But it sounds also like when you had this conversation with Jean-Luc Nancy, you know, there's this notion of being with. And this notion of, well, that's Agamben, but this coming community. Maybe you want to talk a little bit about that, because that seems where you're going towards, because it seems like a utopia, but it seems like the artists that you focused on are all like guardians or stewards. I like the word stewards and stewardship. They're stewards of a coming community. And your whole exploration of your whole throughout your life has been finding these stewards of a coming community. Absolutely, I think. And would you say that, do you feel that's continuing? Are there artists that you're looking at? Yes. I discover some all the time. Last year I wrote on a young artist called Vera Andres Herrera, who has a bit of a, who's living in France but has a mixed background. And her name, I think originally, was it from Cuba? I don't even recall. He works on languages. So it's a good terrain. For me, it's a good, you know, field of exploration. And recently I've written on Ulla von Brandenburg. Oh yeah, of course. She exposed right here. She also had an exhibition in this here. Building, in this room. I've been following her work and having conversations with her for a long time. But she certainly explores in her work basically the coming community. But you know, when it came to me very clearly that we should change Parachute for the year 2000 that was coming up at the time, because the world was changing so much, not only with the impact of globalization, but also with the new technologies that were all of a sudden everybody was on email, internet was developing at a fast rate. It changed everything. Both phenomenons changed everything. And so we had to do the magazine differently.
I felt. And the team went along. Although change is always difficult for people to do things differently. You're more secure when you can repeat the same gestures. That's why I think we have to learn to live better with uncertainty. Because that's what art is all about. That's what Rainer was about. That's what... Yeah. Yeah. So... John Cage... Absolutely. Glass. John Cage, I wrote on 4 minutes 33. It's an emblematic piece, I think, of the new millennium we're in, because we have to listen to no sound. We have to listen to what is not there. So this applies to many fields, the impact of technology on us, but also the impact of other cultures coming in all the time. Canada is amongst all the G7 countries, is at the forefront of this phenomenon where we're welcoming immigrants from all over the planet, 220 countries. We've done so in a few decades only. And 22% of our population is immigrant, people not born here. So it's a new world. You talk of the new region of the world. But I think of us living here as being in a new world. So we have to take up that challenge because it's a big challenge. We've done pretty good so far. There's less violence in Canada than in other G7 countries, which are even less affected by globalization. France, Germany, UK have only 7 or 8% immigrant population. The US only 12% population. And they have far more difficulties living with this phenomenon than we do. But we should take it more, I think, as a une plateforme de lancement pour un nouveau monde, en fait. Qu'est-ce qu'on doit... What should we take as a... This... the fact that the population here has changed dramatically in so little time. And it's interesting to see how the income of migrants from so many diverse cultures, which is being recognized by our governments. They can't ignore it, it's so huge as a phenomenon, but I'm not sure it's totally yet understood how to deal with this. But that's the big question, and it's okay. It can stay in the air as long as we try to do things. As long as we're engaging with the question. As long as we address this new environment. But concurrently, what is happening is that we're also brought to recognizing the indigenous peoples of Canada. Indigenous, yeah. Yes. And that is very interesting to me, because at the same time, we look deeper into our historical roots, but we have also a wider scope. A wider vision, a wider lens on the world as it stands. So it's quite a fascinating moment. And well, we haven't talked about the city issues of Parachute. Yeah, because but, I mean, because you're yeah, of course. Beyond the idea of the common, which we dealt with following issue number 100, which appeared in 2000, which, to my mind, was the prime issue of the millennium that we were coming into, and it still is. Again, the war that's going on now is a prime example of how we have to find a way to develop a new commonness as a planet. Exactly. So more and more I see in and the philosophers I read, this idea of the
planet or the earth with la terre avec un grand T as being one entity. It's quite interesting already what is being researched and talked about in that direction. What can be our commonness? And of course, the environmental crisis is an important fact that obliges us to think commonly and go beyond our differences or distinctions or identities. But you had said, like, because with Parachute, you said that the city issues. Yes, the because city that, issues. That's related to this whole sort of notion of identity and these sort of things that are frontiers or the opening of other regions of the world. Oui, and maybe you could give the year that that started. Oui, alors, dans le projet, le nouveau projet Parachute, qui a débuté en l'an 2000 avec le numéro 100 et qui s'est poursuivi jusqu'à la fin, le numéro 127, l'idée, c'était non seulement d'essayer d'explorer l'an commun, donc les trois premiers numéros ont exploré cette idée de communauté, mais après ça, ça s'est complexifié parce qu'on s'est intéressé plutôt à des choses plus précises que globalement la question de la communauté, comment se fait l'en commun ou comment faire de l'en commun, comment produire une cosmopolitique finalement. On s'est intéressé ensuite à des sujets comme économie au pluriel, comme frontières, borders, ex-humain. On a fait deux numéros sur cette question. Ex-humain? Ex-humain. Un numéro qui tournait autour de l'intelligence artificielle, puis l'autre des sciences cognitives, qui sont deux phénomènes qui sont en haut de la liste hein, maintenant pour tout le monde. Ben, c'est les deux numéros qui se sont moins vendus. et on parle là de 2005, disons. Ouais. Alors, en 15 ans, ça a bougé tellement. L'effet de ces nouveaux phénomènes qu'on essayait déjà d'explorer avec ce que les artistes en faisaient à ce moment-là est aujourd'hui aussi devenu un phénomène qui concerne non seulement les artistes ou les scientifiques purs et durs, mais tout le monde dans sa vie de tous les jours. Alors, donc, on a essayé de s'intéresser aussi à des phénomènes plus lié à l'un, à l'individu, comme l'anonymat, par exemple. Mais aussi on a continué aussi une investigation sur le plan formel, par exemple, le quatrième numéro de la série ça s'appelait « Image Shifts ». Comment la contemporanéité transforme l'image ou notre façon de faire image, si tu veux. Et au milieu de tout ça, l'idée, donc, dans cette nouvelle investigation du monde, qui comprend un pendant collectif et un pendant individuel, et il ne faut jamais que l'un cède la place à l'autre, parce que c'est là que éthiquement ça devient problématique. On a décidé de faire une fois par année un numéro consacré à ce que j'ai appelé ville d'émergence. Alors, parce qu'il y a un nouveau phénomène qui est apparu à ce moment-là, c'est que alors qu'on peut dire que jusqu'à la fin du 20e siècle, le monde de l'art a été dominé par la question du centre ou des centres. Et il y a eu Paris et New York surtout, un peu Londres à la fin des années 90, mais c'était centralisé. Déjà, nous, en 1985, je pense, 10 ans après le début de la revue, on avait fait un colloque à Toronto qui interrogeait cette question du centre et de la périphérie. Et comment ça se fait qu'on pouvait
être un très bon artiste, comme disons Jeff Wall avait déjà émergé à ce moment-là, Jeff Wall. Au Canada, et avoir une reconnaissance partout dans le monde sans vivre à New York ou à Paris comme les artistes de la fin du 19e ou une bonne partie du 20e devaient faire pour se faire reconnaître au-delà de leurs frontières. Et non seulement ça, mais comment on pouvait faire une revue internationale comme Parachute sans être basée à New York, comme Parkett, qui a vite ouvert une revue suisse qui a vite ouvert un bureau à New York, ou basée à Paris, disons. Alors, et pourtant, Parachute, dès le numéro 4, déjà, on était à la FIAC à Paris, et puis à Bâle ensuite, avec la revue. Dans ce temps-là, ces foires n'accueillaient que 10 revues, parce qu'il n'y en avait pas plus dans le monde. Et Parachute en était une. C'est quand même extraordinaire. Alors que notre but, c'était justement de créer des ponts avec ailleurs. Jusqu'à ce moment-là, au Canada, on était très, très centré sur nous-mêmes. On voulait se faire reconnaître comme art canadien ou art québécois. Mais c'était assez nouveau de vouloir établir des ponts avec des endroits ailleurs dans le monde. Et c'est comme ça que, par exemple, Véhicule, où j'ai travaillé un peu Vehicle Gallery. En sortant de l'université, c'est une lacune à laquelle Véhicule s'est adressé, mais magistralement, parce qu'on a montré des artistes. Peux-tu juste expliquer, c'était quoi un peu Véhicule? Véhicule, c'était un des cinq premiers, on appelait ça des galeries parallèles à l'époque. C'est devenu des centres d'artistes par la suite. Il y en avait un à Halifax, un à Montréal, un à Toronto, un à Vancouver. That was about it. Tu sais. Et chacun avait sa propre personnalité dans son programme. Le programme de Véhicule a été fondé par 12 artistes non conventionnels à l'époque. On pense à Serge Toussignan, Robert Poulin, Robert, je me mélange dans les noms, Roland Poulin. Ensuite, Irène Huitton, je crois, en faisait partie. En tout cas, c'est, bon, Henry Sachs, Millie Ritzfeld, c'était vraiment des artistes déjà d'un bon calibre, disons. Et leur idée, c'était non seulement de faire en sorte qu'il y ait un lieu à Montréal où accueillir leur démarche qui était vraiment nouvelle, donc qui n'avait rien à voir avec la peinture classique ou la sculpture classique, bien que même ça, ça a toujours été en évolution, on le sait. Mais aussi d'accueillir des artistes d'ailleurs dans le monde qui pouvaient être en train de développer des nouvelles approches pour donc cet espace amoureux, c'était une des premiers pour accueillir. Was one of the first to bring other artists, international artists, into the art scene here. Vehicle Gallery. Parce que le Musée d'art contemporain, pour ce qui est de Montréal, le faisait, mais avec des artistes plus établis comme Vassarelli, par exemple. Alors, nous, on montre à l'époque des artistes qui étaient déjà considérés importants, là, comme Vito Acconci, Franz Erhard Walter, Dennis Oppenheim, Sol LeWitt, et d'autres. Marina Abramović aussi. C'est assez impressionnant. À Véhicule? Oui. Oh, sérieux? C'est assez impressionnant quand on regarde. Est-ce Joseph Beuys? Vous amenez Joseph Beuys aussi? Non, mais Joseph Beuys, lui, est allé à l'époque au NASCAD, qui est vraiment un beau un profil historique intéressant aussi par rapport à cette idée de montrer, travailler avec des artistes d'ailleurs dans le monde d'un grand calibre quand même. Alors, ils ont
Même Casper Kooning a lancé une maison d'édition quand mm-hmm. il était à Lascab, mm-hmm. Où il a publié des livres extraordinaires. Mm-hmm. Un livre avec Yvonne Rainer, justement, mm-hmm. qui s'appelait Works. Oui. Alors, donc, Works, le titre le dit tout de suite. Oui, ça oui. valorise plutôt ce qui est en train de se faire plutôt que l'objet qu'on est en train de faire. Oui. Alors... Mais il y avait tous ces espaces, ces véhicules partout au Canada? Non, il n'y en avait que quatre. Et c'était, de qu'est-ce que je comprends, c'est un espace pas traditionnel? Mais c'est un espace comme celui-ci, à environ de cette taille-là. Mm-hmm. Et on a vu des choses extraordinaires. Là. C'est là que Robert Racine a joué Vexation de Satie. Mm. Personne avant lui ne l'avait joué d'une traite parce qu'il faut rejouer la même partition 804 fois. Mm. Alors, lui, il avait transcrite la partition 804 fois. Mm. Elle était exposée sur les murs et il a joué pendant 16 heures de temps la pièce au piano. Mm. 16 heures de temps. Mm. Alors, c'est vraiment une œuvre... très, très importante, je trouve. Mm-hmm. Bon, c'est un peu comme son dictionnaire de la langue française, mm-hmm. où il a découpé dans le dictionnaire Robert, évidemment, avec un T. Lui, son prénom s'écrit Santé. Oui. alors, il a découpé les 55 000 mots du dictionnaire Robert. Mm-hmm. Il les a collés sur des cure-dents. Mm-hmm. qui ont été collés sur une immense plaque de styrofoam, et c'était une maquette pour un futur parc de la langue française. Mm. C'est une œuvre qui est encore extrêmement importante aujourd'hui, parce qu'on ne cesse pas de parler du fait que la langue française est menacée beaucoup par l'anglais, qui est devenu la langue internationale, alors que le français... était une langue qui était un empire en soi à une certaine époque, jusqu'en Russie, que ce soit pour des raisons de culture ou des raisons de colonisation. La langue française a ratissé large dans l'histoire du monde. Presque autant que la langue anglaise à l'heure actuelle. Alors, mais comment ça se fait, moi, la question que je pose, c'est comment ça se fait qu'un Robert Racine n'est pas connu partout dans le monde? Mais c'est ça que je me demande maintenant, parce que je pense, I'm thinking about like this archaeology of Montreal that seems to be like unknown, that is very important. Oui. And these are the things that I'm trying to speak about, whether it's Robert Racine, whether it's... Angela Grauholz. Whether it's Raymond Gervais. Pas le mentionner. These are all sort of like people that were already pushing this being in common. And Raymond Gervais was the first person to do. He's a sculptor, Quebec sculptor. The first person to do radio shows with black jazz musicians and the black. He wrote about Cecil Taylor. You brought Cecil Taylor to the Montreal Museum of Fine Arts. You brought Steve Reich. But these histories, like, they seem to... He brought Roscoe Mitchell also way before I got to know him. Philip Glass. But these histories are histories that I think are so rich now. And I wonder if I could just ask you, I'm thinking maybe of only galleries like Savvy in Berlin. There's few galleries that are still doing this kind of, like, this digging. This kind of like gathering, this being with, which is what really the art world we would hope is about. Mm-hmm. This coming community and being with. On a perdu à Montréal beaucoup, d'après ce que je vois. Bon, j'ai parlé de société du confort, là, ce que j'ai commencé à sentir dans les années 90 ici, et que j'attribue beaucoup à la perte d'horizon politique qui est advenue suite à l'échec des deux référendums. Mm. Et pourtant, je ne suis pas du tout séparatiste ou indépendantiste dans l'âme, au contraire. Je pense que c'est assez évident que
être en lien avec un monde plus grand, pour moi, c'est très important et ça signifie surtout pas une perte d'identité, au contraire. C'est une plus-value par rapport à l'identité que chacun on cultive, on porte en soi et qu'on développe. Il y avait, je dirais, dans les années... J'ai commencé à vraiment vivre à Montréal dans les années 70. Et donc, je peux dire que dans les années 70 et même 80, Québec a vraiment changé dans les années 80. Hein? On a appelé ça la génération des Yuppies. Moi, j'appelle ça la génération des HEC. OK. Parce que tout d'un coup, tout était axé. Comme on ne pouvait plus penser d'une façon politique, on pensait d'une façon économique, ce qui voulait dire à ce moment-là, moi, j'ai rien contre l'économie, mais formaté à ce moment-là en fonction de gains financiers, c'est-à-dire d'une sorte de néolibéralisme qui a continué à s'étaler partout dans le monde par la suite. I mean, we've been talking a lot about... really ecosystems, you know, the polis, the city. The city is a space, as a privileged space for exchange, you know, which you could see in dancers and performance artists that you followed early on, like Trisha Brown, Joan Jonas, Steve Reich. Philip Glass. Philip Glass, people that you brought to Montreal. And, you know, there's this notion of really trying to activate space in a city. And you've started with Parachute, then you founded the Festival of New Dance, and then you continued Parachute, and then... At the same time. Yeah. And, you know, first starting with these concerts at the Musée des Beaux-Arts when you were 24 or 25, something like that. And now you've come to continue this notion of sort of like trying to instigate the common in the city. Oui. Can we speak about this project called Spheres, oui. which is a continuation, it would seem, or maybe it isn't, of this, it's a new project, which really is still about getting us to this commons. Yes, it's not a magazine and it's not a festival. And even in 2000, I didn't want the New Dance Festival to be a festival anymore. I didn't feel that was the form that corresponded to the times anymore. Although the plan was to keep up with it, but also to do all kinds of other different forms of interaction within people of the dance world or the art world and a larger public. Because it's important to say that at the Festival of New Dance turned into something called the Grand Labo, which is a very interesting concept because you were trying to actually bring the public into understanding dance. On pourrait... Ben, c'était déjà ça, mais on l'a fait à la manière des années 80-90. Là, il fallait le faire à la manière des années 2000. Et donc, c'était un autre programme qui s'annonçait, d'ailleurs très influencé par le travail que j'ai pu faire en Afrique à la fin des années 90, où là, il n'y a pas d'institution. À l'époque, en tout cas, il n'y avait pas d'institution comme nous, on les connaît, des théâtres, des musées et tout. Mais beaucoup d'art quand même. Alors, je me suis beaucoup intéressée à cette façon d'être et de faire. Et en fait, j'y reviens un peu avec l'idée du projet Sphère, que j'ai lancé à Montréal en 2017. Et c'est Sphère au pluriel, mais avec le S entre parenthèses, parce que l'idée, c'est de prendre en compte tant l'individu que la collectivité. Donc, de voir comment tout ça peut se connecter. Et dans des villes? Oui, mais ça, aujourd'hui, les campagnes sont presque des villes avec Internet. Là, c'est vraiment un monde nouveau, tout ça.
On l'a vu avec le télétravail, en fait, ces derniers temps. Donc, sphère, l'emblème de sphère, c'est la sphère de Buckminster Fuller qui se trouve à l'île Sainte-Hélène, qui a été développée pour l'Expo 67. Et au cœur de la philosophie de Buckminster Fuller, son principe architectural principal, c'est la question de la tensegrity, tensions intégrées. Et en fait, c'est l'idée que on peut créer un nouveau dispositif par connectivité et que ça peut tenir de façon solide et légère. Donc, sphère, en fait, c'est une métaphore du cosmopolitique dont on parlait ensemble. Comment on peut faire pour avancer dans un nouveau monde où il faudrait qu'il y ait au moins deux critères qui soient développés, c'est-à-dire la flexibilité, la connectivité, et puis en même temps que ça soit solide. C'est-à-dire qu'on soit pas en perte de repère. Beaucoup de gens en ce moment sont en perte de repère. Beaucoup de compagnies sont en perte de repère. Le monde de l'éducation, le monde des hôpitaux. Oui, mais qu'est-ce qu'on va proposer pour aller au-delà de ça, tout en sachant très bien qu'on n'a pas fini d'être dans un challenge permanent pour toutes sortes de raisons. Alors, Sphère vise à investiguer ça à travers et avec le travail avec des artistes, non seulement d'ici, mais de tous les continents. Et l'idée, c'est de se baser sur les nouvelles démographies qui sont en train de se développer partout dans le monde, mais tout spécialement au Canada en ce moment, et qui font que cette arrivée de migrants de partout dans le monde crée des zones dans nos grandes villes. Toronto en est le premier exemple, Montréal le second en importance. Toronto, il y a 51% de la population qui est immigrante. Montréal, ça tourne autour de 30%. Et ça, on parle de gens qui, comme je disais, qui ne sont pas nés ici. Alors, on peut ajouter à ça la seconde génération. Les Vietnamiens, les Haïtiens qui sont arrivés avant et tout. Ou même les Européens qui sont arrivés dans l'après-guerre, qui ont beaucoup marqué le paysage montréalais. Donc, ces gens-là ont déjà, même si c'est assez récent, là, on parle de quoi, un peu plus qu'une cinquantaine d'années, et encore plus peut-être les 20 dernières années, il y a des territoires dans le Grand Montréal qui... où ces arrivants ont déjà laissé des traces et qui sont identifiés à eux. Par exemple, Ville-Saint-Laurent. Ben, Ville-Saint-Laurent, qu'on connaît aujourd'hui, a été formée par l'arrivée des migrants libanais suite à la guerre au Liban dans les années 70. Ah, OK, oui. Le petit Maghreb, maintenant, ben, qui existe depuis 15 ans, ben, c'est dû à de plus en plus de Maghrébins qui viennent s'installer à Montréal. Le quartier chinois, on sait, c'est depuis le 19e siècle. On sait que les Chinois sont venus ici pour faire notre chemin de fer, déjà. On avait besoin de gens, de main-d'œuvre, et c'est sûr que les Chinois au Canada, maintenant, c'est une communauté extrêmement importante et qui a beaucoup de leadership aussi. C'est toute une communauté qui amène des nouvelles gestes. C'est ça. Quand on parlait de gestes, before we're talking about gesture, Spheres really is about looking at these new gestures that have arrived here and that have already left traces in the city for generations. Alors, on sait que Montréal-Nord est beaucoup d'Haïtiens, entre autres immigrants. Mais comment travailler avec ces... c'est sûr qu'il y a des Libanais, des Chinois, des Haïtiens maintenant qui ont le haut du pavé. On n'arrête pas de nommer des présidents d'université ou de
conseils des arts même ou de banques qui sont issues de ces communautés. Et tant mieux, et ça ne peut que continuer. Mm-hmm. Mais il y a aussi beaucoup de populations, beaucoup de communautés qui ne s'intéressent pas à l'art contemporain. Mm. Et pour moi, ça, c'est trop dommage. Je vais dire ça très naïvement, mais l'événement Sphère, ça vise à élargir le public de l'art contemporain, au-delà des 100 000 personnes qui fréquentent le musée d'art contemporain à chaque année. Mm. Et pour un pays du G7, même à Toronto, l'audience, là, le public pour l'art contemporain est loin d'être ce qu'il est en France, en Grande-Bretagne, en Belgique, aux États-Unis. Comment ça se fait? On est en bas de la liste pour ce qui est des arts visuels par rapport au cinéma ou au théâtre ou à la musique. Ou, bon, il y a un plus large public qui connaît ces différentes formes-là. Même la nouvelle danse. Maintenant, je pense que, si on peut dire, le FIND, le Festival de Nouvelle Danse, a fait son effet en ce sens, parce qu'on a beaucoup élargi. Il n'y en avait pas de public pour la nouvelle danse avant. Ça se passait dans des lofts, ça se passait. Maintenant, on voit de la nouvelle danse jusqu'au Wilfrid Pelletier. C'est quelque chose qu'on a dû développer. Alors, ça se développe, un public. Et moi, je crois que ce développement de public peut se faire là où il est. Et l'idée, c'est pas de remplir une salle ou de grossir l'achalonnage d'un musée annuellement, c'est d'aller faire des projets in situ, comme beaucoup d'artistes font aujourd'hui, un travail participatif ou collaboratif ou développé in situ, même si l'artiste ne travaille pas avec une population environnante, souvent il travaille sur la mémoire d'un lieu ou sur un phénomène qui peut toucher la population environnante. Et ça, je pense que ça peut être extrêmement porteur. Et surtout si on fait ce qu'on veut faire, c'est-à-dire identifier à chaque année des sphères différentes. Il y en a un nombre très important qu'on peut identifier sur le territoire du Grand Montréal. Si on inclut non seulement des zones touchées par l'immigration, mais si on inclut aussi tout lieu qui porte une composante imaginaire, qu'un artiste peut travailler, développer ou faire ressortir. Bon, je vais nommer un exemple très facile à comprendre, le Jardin botanique, qui est l'œuvre du rêve du frère Marie-Victorin et qui était une sorte d'Expo 67 pour les plantes avant la lettre. Alors, ça, c'est... Bon, ils font déjà des projets avec So it's about occupying... Not occupying, but it's about going to spaces that have either already these traces of other communities, but also spaces that have this sort of this affect that exists there, like the botanical gardens, des lieux... Ou même le cinéma de Bouzeau, qui est Côte-Vertu, par là, que j'ai visité par hasard un jour, qui est que la forme d'une sphère, on parle toujours d'orange julep aussi, des caries, là, qui est un phénomène que tout le monde connaît, mais c'est des lieux comme ça qui recèlent une certaine magie qu'on peut investir avec de l'art contemporain aujourd'hui. Et moi, je crois que non seulement de faire les choses de cette façon-là, ça peut élargir le public, ça peut aussi nourrir beaucoup la pensée des artistes qui vont venir, qui vont travailler dans ces lieux. Et ça peut nous permettre de penser vraiment l'art de façon complètement différente de la façon dont on a pensé l'art au 20e siècle et avant. So I think, you know, on revient. We're coming back to sort of like how we began, because at the beginning, you had quoted this author, and you're writing, and I mean, I'm just saying, it's this idea of art being, allowing us to be companions in our time. Oui. And l'art qui nous donne cette façon d'être des compagnons
ou plutôt des compagnons de notre époque. Oui. Donc, je pense que je finirai peut-être avec ça parce que je te remercie, Chantal, pour nous nourrir de vraiment comprendre comment l'art peut vraiment nous faire interroger sur le commun, d'être une façon, pas juste de regarder, pas une façon esthétique, mais une façon vraiment existentielle. Exactement. Que les gens peuvent aller dedans et se voir comment vraiment avoir un rapport avec l'autre. Et je te remercie beaucoup. Et avec soi. Et avec toi. Oui, oui, toujours. Avec soi. Oui. Apprendre à avoir un regard autre sur soi-même et un regard sur les autres aussi. Oui. Et je finirai peut-être avec, avec Édouard Glissant qui dit « On échange en échangeant. » Oui. belle chose à dire. That's it.